Qu'est-ce que Pico ? Pico est un ordinateur qui se prend pour un jouet. Il est éducatif comme un ordinateur et divertissant comme un jouet. Pico est idéal pour les enfants de 3 à 7 ans qui peuvent jouer et apprendre en compagnie de personnages familiers et attachants. Livres d'images, ordinateurs, palettes graphiques, Sega a inventé avec Pico un nouveau jouet éducatif. Plus riche, plus complet, plus ludique, Pico utilise des logistoires à la fois livres d'images et logiciels, développés avec la collaboration de pédagogues et testés dans des écoles et des familles. Chaque logistoire est fourni avec un manuel à l'attention des parents qui peuvent accompagner leurs enfants dans leurs jeux et voir à quel point leurs connaissances et leur sens créatif peuvent être développés. Comment fonctionne Pico ? Présenté sous la forme d'une mallette aux couleurs attrayantes, Pico est extrêmement solide et adapté à l'utilisation intensive par l'enfant. Sa conception est parfaitement ergonomique, sa prise en main est très rapide et ne demande aucune connaissance en informatique. Alimenté sur secteur, Pico se branche très simplement sur votre téléviseur par un cordon Péritel fourni avec la console. Insérez simplement le logistoire dans son logement, allumez Pico, c'est parti. Tournez les pages et l'image change sur votre écran. Le crayon magique permet de contrôler tout le déroulement du jeu. Une simple pression du crayon sur le logistoire permet de sélectionner les personnages et déclenche les activités. L'enfant dirige l'action en déplaçant le crayon sur la table à dessiner et visualise l'effet produit par le mouvement du papillon qui sert ici de pointeur. L'enfant clique sur le crayon pour valider ses choix. Il peut ainsi résoudre les problèmes, jouer, écrire, colorier et même créer ses propres dessins animés. Pour certains jeux, les boutons directionnels complètent l'action du crayon. Convivial et simple d'emploi, Pico est accessible à tous dès l'âge de 3 ans. Une grande invention, les logistoires. Conçu avec le soutien de pédagogues et d'enseignants, il stimule chez l'enfant des aptitudes de base et des facultés créatives. Les logistoires Pico permettent à l'enfant de s'amuser et de s'instruire en même temps, lui demandent de résoudre des problèmes de difficultés croissantes adaptés à son niveau et offrent une première approche de l'ordinateur. Dessin, reconnaissance des formes, capacité motrice, mémorisation, problème, lecture de l'heure, musique, lecture-écriture, calcul. 5 plus 3 font 8. Chaque logistoire exerce et développe spécifiquement plusieurs activités de l'enfant. Apprendre et évoluer en s'amusant dans l'univers familier de leur personnage préféré, telle est la raison du formidable succès de Pico auprès de tous les enfants qui l'ont essayé. Toutes les expériences effectuées dans les écoles maternelles mènent à cette conclusion. Pico est un merveilleux outil pédagogique, ludique, convivial et très complet. Le choix des différents logistoires. Sur chaque boîte, des vignettes vous aident à choisir le logistoire le mieux adapté à votre enfant. Une année en compagnie de Winnie l'ourson aborde tous les apprentissages de base sur le thème des quatre saisons. Crayon magique développe chez l'enfant la connaissance des formes et des couleurs. Richard Scarry, une journée bien remplie. Bonjour. Pour Cassis et Astico. Je m'appelle Astico. Bonjour. Je m'appelle Cassis. Peux-tu aider les pompiers à éteindre le feu ? Les plus petits se promènent à travers la ville où les attendent de nombreuses activités d'éveil. Violet. Il faut ajouter une autre couleur. Groseille.
allons jouer à cache-cache avec nos amis. Vu. Trouvé. Tels est le faiseur de musique emmène les enfants dans un voyage musical où ils découvrent différents instruments, les sons, le rythme et les gammes. Mickey fait un voyage éclair dans le passé est un logistoire de culture générale où l'enfant découvre les grandes inventions de notre histoire. Et la chasse au trésor sous-marine guident les enfants sous les mers pour les initier à l'arithmétique. Les aventures du roi lion. Dans ce logistoire, très proche du film de Disney, l'enfant découvre, en compagnie de Simba, de nombreuses activités. Pocahontas, petite indienne héroïne du dernier film de Disney, conduit l'enfant à travers la forêt tropicale, riche de mille découvertes. L'ordinateur qui se prend pour un jouet.